fois de plus que je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Je ne suis pas de ceux qui veulent finir dans le silence. Je refuse de me taire. Je l'accepte par le silence. Je ne veux pas mourir à genoux. Je veux tenir. Je veux me tenir au vertical. Je veux regarder droit aux yeux ceux qui me font du mal, ceux qui m'empêchent de vivre une vie digne d'un homme créé à l'image de Dieu. Que ceux qui se croient forts, qu'ils s'écartent de ma voix. Que ceux qui se disent intellectuels, qu'ils recherchent encore dans leur esprit un sentiment de pouvoir m'imposer la réalité haïtienne dure comme elle est. Mais face aux esprits morts, je vis et je m'installe en héros. Je renonce. Oui, je renonce et je dénonce. À vous de faire un choix. Ce matin, je veux m'adresser à ces usus, à ces petits esprits, au conformisme social aveugle, indigne de la réalité haïtienne, à cette classe moribonde, à cette classe politique pourrie, dépourvue de tout sens moral, de tout sens éthique. Je me tiens sur la hauteur de mon savoir pour imposer la raison, pour imposer la raison à ceux et celles qui se veulent être Dieu. Il me semble néanmoins, dans ma vie de citoyen, que la nécessité pour moi de m'intéresser et de m'accrocher attentivement aux affaires de mon pays n'est pas un luxe. Mais c'est un devoir. Mon parcours universitaire, encore inachevé, ne me prive pas pour autant de me laisser dans l'activité de la pensée. Mais beaucoup veulent désespérément être les seuls maîtres et seigneurs. J'ai bel et bien échappé à ce déterminisme pourri pour imposer la force de ma pensée philosophique dans le champ discursif du problème haïtien. En effet, dans une société qui se veut ouverte, libre et démocratique, c'est plus qu'un impératif pour le citoyen de refuser d'être l'esclave des silences et des vérités, de refuser les abus du pouvoir à la censure morale, la privation de la liberté d'expression, la politique, la langue de bois et la dictature de la pensée unique et rigide. Le citoyen doit se révolter. Il a son mot à dire. Car le silence n'est jamais une option dans une société qui se veut libre et démocratique. Alors jugez-moi si vous voulez. Jugez-moi. Car comme disait Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Cette démarche existentialiste, je le refuse. Je ne la veux pas. À cela, je vous convie à vous battre sans réserve pour votre existence. Je vous convie à vous battre sans réserve pour votre existence. N'ayez donc pas peur de déranger la pensée unique et rigide. Offusquez, dénoncez, révoltez contre ces chenapans
dans leur dignité de merde, qui pensent que la chose doit se dire ou se faire d'une seule manière. Osez remettre en question, osez dire non, osez interroger, osez penser, osez parler. À ceux qui veulent vous arracher votre existence, osez, osez, et offusquez, jusqu'à ce qu'ils comprennent que vous êtes un être humain, comme eux, digne d'être traité avec respect et dignité. Osez. Perturbez leur confort. Perturbez leur confort. Perturbez-les. Dis tantôt, je ne veux pas être de ceux qui se retirent pour se perdre. Ne vous enfermez pas dans ce silence. Ce silence est mortel. Ce silence porte en lui-même le germe de la mort, le venin du désespoir. Allez, ne soyez pas le brebis que les lions veulent dévorer, mais au contraire, soyez le lion. Soyez le lion. Soyez la lionne. Ne soyez pas le brebis que les lions veulent dévorer, mais soyez la lionne, soyez le lion. Ah oui, ne soyez pas la souris que le chat veut exterminer, mais soyez le chat. Ah, soyez le plus fort et le plus dur. L'animal qui inspire la peur, vous devez leur inspirer la peur. Quand vous aurez fini de dévorer, enfin, vous pouvez raisonner. Ne donnez jamais la première place à la raison. La raison n'est pas l'affaire des dieux, mais la foi est l'affaire des dieux. La raison est l'affaire des fainéants. La raison est l'affaire des mécréants. La raison est l'affaire des lâches. La raison est l'affaire des petits esprits. Mais la foi qui surpasse toute intelligence, c'est l'affaire des dieux. Il faut se lever au niveau du ciel pour imposer sa volonté dans l'arène des dieux. Sois un dieu. Sois l'animal le plus fort. Et arrachez vos proies. Empêchez-les de dormir. Empêchez-les de respirer. Empêchez-les de vivre paisiblement alors que vous, ils veulent vous imposer l'enfer. Rejetez l'enfer. Dis non à l'enfer. Que votre vérité blesse. Que votre vérité blesse. Que votre vérité dérange. Que votre vérité bouscule. Que votre vérité offusque. Que votre vérité leur fait bouger dans leur confort. Et rassurez-vous qu'elle soit une vérité dure, amère à avaler. Ah oui, c'est pas n'importe quelle vérité, mais une vérité dure, une vérité amère à avaler. Ah oui. Dérangez. Dérangez-les. Alors ce matin, je voulais m'adresser aux usus, aux conformistes, aux opportunistes. Ah oui. Aux malades des titres, aux malades des grands mots, les mots ronflants. Ouais. Moi, je suis fort. Et mon esprit est puissant. Mon âme, j'ai une âme de guerrier, une âme de soldat. Je tombe et je me lève. J'avance. C'est ma nature, c'est mon essence. Je la définis. C'est ce que je suis. Ah oui? Car le monde, sachez-le mes chers amis, le monde n'est pas trop civilisé comme vous avez croire.
Ouais, le monde n'est pas aussi civilisé comme vous pouvez le penser. Du tout pas. Au contraire, on est dans une jungle. Il est bourré. Le monde est bourré d'animaux sauvages qui confrontent chaque jour. Il ne faut pas confondre sagesse et gentillesse. Il ne faut pas confondre respect et faiblesse. Car dans ce monde où nous vivons aujourd'hui, c'est un monde bourré d'animaux sauvages. C'est une forêt. On est dans une forêt remplie d'animaux sauvages. Mais soyez, mes chers amis, la lionne. Soyez le lion qui dévore. Soyez le plus fort. Car dans une société où la loi se tait, dans une société où la justice est morte, dans une société où la vie est sans sens, où la morale, même est absente, sois le plus fort. Nous avons tous connu des moments difficiles. Moi-même, j'en ai connu. Et j'en ai vécu. J'ai expérimenté des moments extrêmement tragiques. Mais la solidité de mon esprit, cette capacité à pouvoir surpasser et dépasser et transcender même les circonstances, m'impose le refus de succomber. Je ne succombe jamais. Au contraire, je reste fort et j'avance. Ne sois pas le plus faible, mais soyez faible avec les faibles. Ne sois pas le plus faible, mais soyez faible avec les faibles. Et ne sois pas le plus fort non plus, mais soyez fort avec les forts. C'est le langage des animaux. Mes chers amis, je vous inculque aujourd'hui le langage des animaux. On est dans une jungle, c'est la forêt, c'est la loi du plus fort qu'on impose dans la société haïtienne aujourd'hui. Ceux qui ont les armes, ils font la loi. Le délinquant se passe pour roi. Le drug dealer se passe pour le bon citoyen. Mais ne baissez pas les bras. Dénoncez, renoncez, offusquez, dérangez-les. C'est mécréant. Dérangez-les. Osez les déranger. Si vous ne les dérangez pas, ils vont vous déranger. Dérangez-les. Empêchez-les de vivre la béatitude. Empêchez-les de vivre la béatitude. Renoncez au silence. Criez à regrosser. Faites jaillir la voix de la résistance. Renoncez. Résiste. Ah oui. Comme je le disais tantôt, je ne veux pas être de ceux qui se retirent ou se perdent. On a voulu nous faire croire que la langue française est tellement difficile. Il faut être parmi les élites de ceux qui ont cette possibilité de pouvoir explorer la culture française dans tous ses aspects. Mais je veux vous dire ce matin, ne soyez pas incrédules, car la langue créole, elle est imbibée d'énergie positive. C'est la langue de la résistance, c'est la langue révolutionnaire. C'est celle que nos ancêtres ont forgée. Ils ont transcendé les divergences. Ils ont transcendé les divergences pour imposer une langue unique. Enfin, attribuez plus de la valeur à votre parole plutôt qu'à celle des autres. Ne fais pas de l'opinion des autres
votre pivot. Ne faites pas de l'opinion des autres votre pivot. Mais attribuez de la valeur à votre parole. Ne normalisez jamais. De peur que vous ne deveniez une personne analgésique. Une personne analgésique au profit des rapaces. Oui, ce sont des rapaces, des rongeurs, des sensus intellectuels et économiques. Si vous ne savez pas avec qui vous avez affaire, vous avez affaire avec des rapaces, des sensus, des rongeurs intellectuels et politiques de l'aristocratie ruinée, sanguinaire, de cette économie, de cette élite économique dictatoriale, pétionniste. Renoncez au formalisme banal. Renoncez au conformisme aveugle. Renoncez, révoltez, résistez, offusquez. Offusquez-les, dérangez-les. Faites bouger les bornes, faites bouger les paramètres. Osez, il faut oser, oser. Il faut oser, oser. Ne reste pas en silence. Parle, criez, parlez. Yes, c'est ça. Soyez le plus fort. Soyez le plus fort. Soyez le plus fort. Renoncez aux fausses apparences, ce formalisme banal. Ayez le courage de détruire le politiquement correct. Ayez le courage de détruire le silence, de briser les chaînes de l'esclavage mental. Ayez le courage de dire non. Ayez le courage de faire renoncer. Moi, écoutez ça. Et c'est peut-être ça que toujours dit, Jésus était le premier des philosophes. Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus, écoutez, pour les gens qui ne peuvent pas comprendre, je vais dispenser ce matin un cours de théologie. Pour les gens qui ne peuvent pas comprendre la pertinence de la question de Jésus posée aux malades. Un pile ne nous pas comprendre dynamique ça. Un, malgré monsieur malade, la première chose que Jésus fait, Jésus respectait volonté. Respectait liberté l'homme, libre arbitre. Jésus va venir, pas arrêter puis guérir monsieur. Non, faites attention. Parce que, guédé, mou, nous pas qu'à retirer la situation hier, et c'est ce qu'a voulu, bien entendu, faire, et dire, le professeur Herbert, Joseph, lorsque yon moun cadenassé, lorsque yon moun qui cadenassé, dans une situation mentale, dans l'esclavage mental, il est difficile, oui, pour moun ça exprimer librement volonté. C'est difficile. Mais t'en feras derrière moun ça, oui, il faut partir dans une quête philosophique, à la recherche de la volonté de cette personne. Faut aller derrière, ou pas qu'à courir comme ça, non? Il faut créer chez la personne, un choc, pour inciter Mounsa à briser les chaînes de l'esclavage mental, pour le capable de mettre la disposition, pour l'exprimer volonté de façon libre. Jésus dit, monsieur, qui sont venus me faire pour lui? Écoutez, le constat est fait, et le constat est clair. Jésus a avancé sur monsieur, les jeunes monsieur couché. Et Jésus jeune monsieur couché. Jésus jeune monsieur couché. Jésus ouais monsieur dans condition. Maintenant, soit pour analyse contextuelle. Depuis 37 ans là, c'est pas la première fois Jésus va se bopisser, non. Jésus au courant de monsieur parce que son nèg yo parlé de lui en pile 37 ans.
Jésus tendait pas à aller de lui seul. Et Jésus connaît qui ça qu'on a passé dans la piscine de Bethesda. Il connaît qui activité de là. Il connaît c'est la malade réunie. Toujours chita, il y a tant de piscine. Il sait. Jésus connaît. Maintenant, voyez, même dans un contexte comme ça, il faut rechercher, il faut diagnostiquer, ou pas courir à libérer moun, comme disait professeur Hébert. Des moun n'ont pas besoin de liberté. Des moun n'ont pas même conscient que l'esclave. Alors Jésus, pas courir paraître, lui ou monsieur nos conditions misérables. Jésus parcourt, il paraît, pour le dire, pour le paraître, et puis sans volonté, et puis il paraît, il guérit, monsieur. Non, Jésus parcourt, il guérit, monsieur. Nous toujours pressés pour nous guérir, monde, sans nous pas diagnostiquer. Nous toujours pressés pour nous libérer, monde, sans nous pas garder pour nous si monde a besoin de liberté. Des monde n'ont pas aimé liberté. Des monde n'ont pas aimé conditionnière. Des monde n'ont pas aimé l'esclavage. Des monde n'ont pas aimé marcher dans caca, des moun n'ont rien manger mal propre, des moun qui rien manger mal chien, des moun qui rien esclave, des moun qui rien tchoul moun. Alors vous comprenez, pour qui raison Jésus obligé demander monsieur, que veux-tu que je fasse pour toi? Et gogoze, oui. Et gogoze. Et Gogozé, que veux-tu que je fasse pour toi? Voyez, Jésus connaît monsieur besoin guéri. Jésus connaît monsieur guéri. Mais est-ce que monsieur voulait guéri? Ou bien il doit comme condition, mais on still va vouloir sortir là-dedans. Parce qu'on est installé dans la confortabilité. Faites attention. Thème approfondi. Réflexion pour nous. Après 37 ans dans condition. Ah oui? Après 37 ans, on va vivre dans condition. La difficile, lui, pour dire, les vies naturelles. Et comme si son bagage qui est naturel. Et comme si on accepte des faits. 37 ans. Et comme si on accepte des faits. Ouais, mais ça. Maintenant, à chaque fois, on vient contre le monde. Maintenant, on est bon piscine, c'est vrai. Mais on prête bon piscine, non. Avec, à la fois, avec un sentiment mitigé dans le désespoir et dans le désespoir et dans l'espoir. Maintenant, on va chercher l'équilibre et le sens de l'existence. Maintenant, 37 ans bon piscine. Écoutez, ça va passer, tout le monde a besoin de bagage. Et c'est en effet le cas d'Haïti. C'est tout le problème. Tout pays a besoin de développement. Tout pays a cherché chemin de développement. C'est domaine voisin a cherché développement. Mais pendant ce temps, Haïti a effondré. Les chita là, pour piscine, la rajouine. Il va rajouine. C'est problématique. Il vit. Ça veut dire, oui, il vient tout de yon lifestyle, il vient tout de yon mode de vie. N'est-ce pas, bon piscine, pour bon piscine, parce que c'est là, il va gagner l'autre exit, il va gagner l'autre repère, c'est ça le gagner. C'est ça le connaît pendant 37 ans, ces conditions, ça le connaît, il va contre d'autres. Et puis, Jésus vini, il vient porter la guérison. Il a été visité. Il a été visité dans son malheur, dans sa misère amère. Il a été visité des cieux. Et ça a eu problème, non? Haïti, je ne j'en dis pas, les besoins visite, les pas la visiter. Parce que en réalité, faut Haïti commencer clair à tête, qu'il n'a pas gagné personne. Ah oui, pour Haïti, je n'en visite. T'as coup de visite, ça, amen. Faut Haïti clair qu'elle va gagner personne. Faut Haïti commencer à rendre compte qu'elle n'a pas gagné personne. Elle n'a pas qu'à compter ni sous l'Occident, ni sous les États-Unis, ni sous ceci. Elle n'a pas gagné zombie. Parce que tout autre, on va baisser tête ou illusion. Tout autre, on va baisser tête ou illusion pendant 200 ans.
dit ou gen zanmi ceci cela. C'est effondré ou ap effondré. Davantage. Parce qu'il faut arriver non pour faire un diagnostic. Pour clair à tête ou pour dire nous barrer personne. Mais les bagailles ou ap vini. Majer dit oh oui. Oh oui. Nos amis. Nos ceci. Nos cela. Ou pas fort une situation. Ye. A répondre, c'est, faut arriver dans la dynamique, dans l'équation pour retirer toute variable, éliminer. Ah oui, faut réduire tête ou anéo, faut réduire tête ou nihilisme. Et si vous arrivez dans un niveau ça, pour dire, écoutez, je n'ai personne sur qui compter, je n'ai monde pour me compter sur lui. C'est cette façon, c'est première étape. C'est première étape vers la délivrance. Première étape vers la délivrance. Ah oui, parce que première étape là c'est reconnaître compagnie moun ou pour contrôler. Ah oui, c'est reconnaître compagnie moun ou pas des amis ou pour contrôler. De vous reconnaître ça. Ou pas tomber dans piège assistana. Ou pas tomber dans piège ou après tant de moun vinné dedans. Ou pas tomber dans piège. Oh oui, oh États-Unis, ces hommes, vous ne pouvez pas tomber dans le piège là, non? Non. Dites-vous pas. Au contraire. Vous arrivez dans le point où vous ne connaissez pas personne. Parce que là, je dis, non, tu m'as dit. La mission dit Jésus, je n'ai personne. Tout autant vous avez espoir, le monde, l'autre monde. Dieu m'a intervenu, non? Ah, écoutez, parce qu'il y a un peu de monde qui ne comprend pas le mystique. Le mystique, alors, l'homme dit mystique, je parle de magie, je parle de mystère. C'est ça qui fait l'homme faire mystique. Il y a tout ça. Big up, bagaille mystique pour faire, c'est l'isolement de soi. Pour entrer dans une dynamique mystique, il faut couper le monde là. Il faut pour qu'on tout. Il faut pour qu'on tout à tête. Ou pas les gens aux alentours. C'est l'isolement. Pour entrer dans la présence de Dieu, faut sortir dans le monde. C'est la même dynamique. Et l'église, non? Éclair, sortez de. C'est la même dynamique là. C'est une dynamique mystique liée. So, ou sortir, ou entrer dans l'autre univers, ou détacher de monde. Non? Ou détacher. C'est-à-dire, l'autre détacher de monde, c'est une reconnaissance qu'on n'a pas besoin, ou pas gain aide, non? Dans le monde. Non? Automatiquement ou détaché du monde, non? C'est un message vous voyez en quelque sorte par le monde spirituel pour dire que exit moyen solution dans le monde, non? Yeah. Solution pas qu'à sortir dans le monde, non? Ou détaché du monde, non? C'est-à-dire ou pas gagner exit solution dans le monde, non? Maintenant ou entrer dans une dynamique mystique ou tourner vers l'intérieur ou tourner vers la vers le ciel ou tourner vers les forces invisibles. Du Dieu très haut, c'est là où. Ou entrer dans la présence de Dieu. Entrer dans la présence de Dieu, c'est ça lié. Oui. Entrer dans la présence de Dieu. Entrer dans la présence de Dieu, c'est se détacher du monde. C'est sortir, être, et sortir du monde. Et entrer mystiquement dans la présence de Dieu. Parce que c'est ce mystère. Pour quelle raison entrer dans un mystère, dans une démarche mystique? C'est parce qu'on entre dans une dynamique mystérieuse. Quand on pas, ouais. Quand on pas, je pas, ouais. Ou obligé à entrer. Parce que le monde fait défaut. Et on rend nous compte que le monde là, pas de exit là-dedans, pas de secours qui a venu de situation là dans le monde là. Et ça y est. Mais pour entrer dans la dynamique mystique ça, pour tourner vers l'intérieur, pour tourner vers le monde invisible, pour tourner vers la métaphysique, faut avoir une dynamique pour reconnaître. Faut reconnaître que la solution va sortir dans le monde là. Je n'ai personne. Ça pour dire oui. Faut dire, faut clair, il est opposé aux questions ça. Parce que l'entrée dans le monde invisible, l'entrée dans une dynamique mystique, l'entrée en présence de Dieu, la première question, vraiment, qui sauvez? La première question, vraiment, de l'entrée mystiquement dans le monde invisible, vraiment, qui sauvez? Qui sauvez? Venir chercher. Maintenant, pour jouer sur mesure, faut à l'aise, oui. Faut clair pour qu'on ait pour dire, moi, pas de personne dans le monde. Non. Je n'ai personne. Alors, retournez à la source. Ce retour à la source. Retourne sous sa poêle soucée. Pour l'apaiser soif. Pour l'apaiser soif non sous ça. Ah oui, il faut que les sous lui, oui.
avoir clair sous lui. Pour jouer une gloss à pour boire, gloss métaphysique ça, gloss spirituel ça, faut admettre qu'on va pas venir dans le monde. Non? Ah, faut clair. Ou pas qu'à servir des maîtres. Parce que sous servir des maîtres, on va pas venir. Non? Ah oui, il faut faire très attention. Parce que tout autant qu'on nous a joué une aide. Tout autant qu'on nous a joué une aide dans le monde là. Ou pas qu'on a mystique là. Tout autant qu'on est, ou qu'on est que le monde là, qu'on a une solution à problème ou pas qu'on a mystique. Ah oui. Il faut renoncer pour entrer dans la dynamique mystique. Ou. Pour entrer dans la quête mystique là, dans l'aventure ça. Il faut renoncer. Et monsieur dit Jésus, je n'ai personne. Alors, les nous temps de je n'ai personne. Et faut comprendre bien. Et c'est pas le fait que le pas gagné, il pas gagné famille, il pas gagné ma tante, il pas gagné maman, il pas gagné petite, il gagné yo. Mais il y a des situations arrivées ou pour contour. Pas gagné question maman, pas gagné question papa, pas gagné question frère, pas gagné question sœur parce que c'est celle ou même qui dans situation hein. C'est celle ou même qui traverse ces moments. Pas gagné maman, pas gagné frère, pas gagné sœur, tout le monde a vaqué activité yo. C'est la raison pour laquelle elle dit mais il y a maman, il y a frère, il y a sœur, il y a famille, il y a amis. Mais le dans moment non salier à là, il pas yo pas ca avec. C'est lui même qui pour c'est lui même qui pour prendre chemin pour contre lui. C'est lui même qui pour prendre bâton Moïse, lui pour la praler. C'est lui même pour contre lui. C'est le désert, traverser le désert ça c'est vous même seul. C'est vous même seul qui vous traversez le désert ça. Pas de mamie, pas de papi, pas de tati, pas de cousin, pas de zami, pas de radot ça. Non? Pas de bâle ça. Et yon pile moun mouri en Haïti. C'est parce que yon pas yon père entre dans le désert mystique là. Yon père traverse dans le désert mystique là. Oui, yon père, yon mouri. Yon malade, yon compte sous moun. Bon, sous malade mystiquement, comment on fait compter sous famille? Bon, même famille parfois. Li kon c'est lui-même qui est responsable maladie. Même famille kon vend nous, même moun la caillou kon vend nous ka diable. Comment pas faire compter sur moun? Ou pour qu'on tout coucher. Ou coucher quand on coucher c'est dans désert ou yé, ou pas qu'à tourner regard vers le monde. Le monde pas de solution pour vous, parce que à first place, si le monde te une solution pour vous, pas coucher nous. D'ailleurs pas coucher. Faut faire très attention. Maintenant c'est vous même qui pouvez entrer dans le cheminement mystique. Pas oublier le cheminement mystique, c'est là qu'on commence. Pendant coucher, c'est comme ça. Guider visite pour recevoir. Guider visite pour recevoir. Apprendre comme ça. Guider visite mystique pour recevoir. La caillou. Faut qu'on qui sauve d'abord pour jouer une visite ça. Et faut renoncer. Faut qu'on nous bague les gens pour jouer une visite ça. Gagne visite ou bagage, c'est parce qu'on gagne espoir. D'ailleurs. Dès vous gagnez espoir, d'ailleurs, on va venir. Non, ça, depuis que tu gagnes moun, depuis que tu gagnes espoir, moun, il va avoir une guérison. Depuis que tu gagnes maman, il gagne papa, il gagne frère, il gagne sœur, il va avoir une guérison. Depuis que tu gagnes tanti, il va la venir. Ah oui. Il faut une rupture. C'est deux mondes où on va fonctionner ensemble. Ou pas qu'à servir de maître. Après Jésus va dire sous mes yeux suivre moi. Faut aïe maman, papa, soeur, frère. You guys don't really understand. Ça, Jésus ne dit pas là. Est-ce que nous comprenons? Parce que là, Jésus suivre. Là, Jésus dit, si vous voulez suivre moi, son cheminement mystique et spirituel, il voulait dire oui. C'est-à-dire que pour suivre moi, là, Jésus dit ça, son gros cause, il dit. C'est-à-dire, c'est pour entrer dans la présence de Dieu. Vous voyez? Pour entrer dans la présence de Dieu, pour pénétrer dans le monde mystique, là, faut commencer à détacher, oui, de la série des bagages dans le monde. C'est le détachement. Parce qu'on va l'entraîner au monde transcendantal, on va l'entraîner au monde métaphysique.
Maintenant, pas qu'à rentrer à Adam avec une dynamique. D'ailleurs, il faut faire très attention. Tu pas fait. C'est bien malheureux. Oui. Tu pas fait, c'est bien malheureux. Je l'aime avec étudier philosophie. Et commencer à étudier philosophie, commencer à questionner. Et puis, alors vous savez, je me trouvais dans une situation extrêmement difficile, de la mesure où et me partageait entre deux univers. Vous voyez, il y a l'univers, le monde philosophique, il y a le monde philosophique, le monde du questionnement, le monde où la raison s'impose. Et puis il y a le monde de la foi, le monde religieux, l'église. Quand il y a là, je fais 6 jours dans la classe, m'a philosophé, m'a questionné. Et puis samedi, m'entre l'église. Et puis il y a l'autre discours qui fondait sur la foi. Maintenant, je trouve une situation côté que j'ai deux modes, deux outils dans même cap bataille, la raison et la foi. Maintenant, déchiré entre ces deux modes de pensée dialectique. Alors, je trouve une situation extrêmement difficile. Je tombe dans le vide. Je tombe dans le vide parce que je n'ai pas de côté pour me camper. Vous comprenez? Je traverse une situation extrêmement difficile. Ce dualisme-là qui mettait dans une situation conflictuelle, qu'on a tombé dans une crise majeure de conscience, je n'ai pas de côté pour m'appuyer. Est-ce que je dois aller directement vers la philosophie, la raison, le bon sens? Est-ce que je dois appuyer sur l'esprit moué? Ou bien est-ce que je dois laisser une marge de manœuvre à la foi? Maintenant, les membres dans l'église, démarche mentie, j'ai contradictoire, démarche mentie, j'ai problématique, surtout pour les gens qui sont aux alentours. Maintenant, il y a posé le regard de mon genre bizarre. Il y a un gars de mon genre bizarre, il a dit, mais écoutez, ce type-là, comment il est? Écoutez, cependant, je suis en quête. Je suis en quête de vérité. Vous savez, c'est ça pour solidifier foi, moi. Ouais, c'est ça pour solidifier foi. Maintenant, je suis m'entraîner en conflit avec Dieu lui-même. M'entraîner en bataille permanente directe avec Dieu. M'a interrogé. Vous comprenez? M'a pas athée. Maintenant, je dis bon, m'a pas athée. Cependant, j'ai tous les outils dans même pour m'entrer dans une dynamique athéiste. Mais ceci étant dit, je vais arriver dans une dynamique parce que athéiste, en quelque sorte, j'aime arriver. Moi, ouais, que, ok, bon, je vais entrer dans une dynamique, tant que Nietzsche, ok, pour me poser la mort de Dieu. Maintenant, pour m'entrer dans une, pour me construire un surhumain, un surlavoisier, un surhomme, côté que je vais tomber dans l'existentialisme, côté que je vais produire propre valeur, pas propre essence, pas. Mais cependant, il faut passer dans un nihilisme. Nihilisme, ça veut dire, il faut tomber dans le néant, absence de sens, absence d'essence, absence de valeur. Mais côté, c'est absence totale. Maintenant, si je dis absence de valeur, absence de néance, absence de ceci, c'est-à-dire Dieu, pas de Dieu là, pas de question, Dieu là, pas de rien du tout. Là, le monde métaphysique, me poser comme inexistant, me retirer dans l'équation. Maintenant, femme, j'ai un sens, femme, j'ai un bagage pour m'appuyer sur lui. Il faut comme j'ai un bagage pour m'appuyer sur lui. Maintenant, puisque m'a traversé, ni l'issa, m'a traversé absence de sens, ça, existence m'a effondré. Moi, je me montre, je me effondre. This is the thing. Je commence à tomber dans l'angoisse. Parce que je flotte. Je suis en train de flotter dans le néant. Je tombe dans le vide. Nous avons vide quand tu es absent. Pas rien du tout. Et je tombe dans le vide, ça, c'est l'expérience qui est plus difficile. L'angoisse, dépression, nausée, envahie. Maintenant, pendant ma plongée dans l'abîme, dans le bagage, pour me quimber. C'est ça le problème. Ma plongée dans l'abîme, non, et ma, tout désir, moi, c'est genou, c'est pour pied me toucher soc. C'est pour pied me toucher soc parce que je me sens, ma descend dans l'abîme, non. Le pire, c'est que l'abîme n'a pas de côté pour appuyer. Il n'a pas de soc. Il n'a pas de fondation. Ou descend, ou pas même côté. Et tout autre, ou descend, c'est nausée. Ou descend, c'est l'angoisse. Ou tomber dans une crise existentielle. Ou questionner l'existence. Maintenant, Walder y a refuge. Non, sat. Walder y a refuge, non, sat. Wal checker, wal questionner Heidegger, wal questionner Schopenhauer, wal questionner, wal contenir les sages de ce monde. Wal interroger,
Ou elle demandait David une sale pensée. Ou elle demandait Simone de Beauvoir, qu'en penses-tu? Ou elle demandait. Ou elle demandait Nietzsche, ou elle demandait Freud, ou elle consultait Nexa ou puis une réponse avec situation ça. Ou elle plongeait. Pendant que vous plongez, et puis qu'on y a, ou elle bat pour quelques branches dans la philosophie pour où elle soit un sens. Ou elle bat pour qu'il l'existentialiste de côté. L'existentialiste dit pas qu'il y Nietzsche, pas qu'il y et structuraliste, pas qu'il y et pas grand monde qui est qu'il y a. Ou elle descend. Maintenant, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort du soi. C'est la mort de soi. La mort va mourir. Va mourir. Et c'est ça. Ou confronter. C'est la plus mauvaise expérience que tu as fait. Expérience philosophique. Ça. Maintenant, face à ça, ou va battre l'espoir accroché. Ou va chercher un ancrage philosophique. Ou va chercher un ancrage philosophique. Ou bagage, un yon qui solide. Et peut-être ça, oui, me verser comme ça. Me verser comme ça dans la philosophie. Et bon, moment, je me suis bon dans la philosophie. Non. Et bon, matin. Mais vous savez, en réalité, il y a trois concepts majeurs, trois concepts clés que m'essaye. Ok, des concepts, des premiers concepts là qui c'est Dieu. Maintenant, vous mettez Dieu d'ailleurs dans l'équation, il y a deux concepts. Deuxième concept là, c'est la raison. Maintenant, la raison, il y a la raison. La raison grecque, c'est-à-dire la pensée grecque, l'avènement de la raison, la pensée grecque, la pensée antique. Et puis, il y a le siècle des Lumières, la raison des philosophes des Lumières. Maintenant, faites attention. Ou bien si jouer un sens à travers la raison. La raison est producteur, est constructeur de sens. Ça, c'est la philosophie. Oui, la PC va y réponse. La chercher sens, la mettre bagaille en ordre. La structure réponse. C'est la raison, c'est le rôle de cette faculté. Lui permettre de construire sens et chercher forme. Maintenant, le regard des vrais, il y a des réponses, il y a des questions, il n'y a pas de réponse avec eux. La raison a montré ses limites. Maintenant, sortir dans Dieu, retirer Dieu, ou tomber dans la raison. La raison a montré ses limites. Quand on dit chier, ou tomber dans l'inconscient. Parce que qui limite les raisons? Le regard où est la guerre, où est la misère, où est calamité, où est problème, difficulté. Quand on va demander qui sens, raison, pas qu'à réponse avec problème. La guerre, où tu penses que l'homme dans cet être raisonnabilité. Où tu penses que l'homme dans cet être raisonnabilité. Ou t'es pas, c'est son être qui t'est qu'à réfléchir, qui t'est qu'à permettre ou vivre le regard au web. Ouais, l'homme n'a plus problématique que la raison elle. Qu'on y a là, y aurait tiré Dieu dans l'équation, ou elle derrière solution dans la raison. La raison dit, écoutez, j'ai mes limites. La raison dit, j'ai mes limites. M'a pas aller plus loin. M'a des limites. Qu'on y a, l'homme cherche, ou tomber dans l'inconscient. Troisième concept clé, ou tomber dans l'inconscient. Ou sortir au moins dans le monde de la conscience, ou tomber dans l'inconscient. Sigmund Freud envahit. Sigmund Freud envahit. C'est la psychanalyste. Oui, psychanalyste envahit. L'inconscient. 90% de comportements, pensées, nos actions, nous, posés, nous gouvernés par l'inconscient. Par des forces cachées que nous baronnons. Maintenant, ou vient tout aussi on est humain déterminé ou tant qu'on un iceberg bunda sa partie qui émerge là li beaucoup li plus puissant li plus que ça qui émerge là ça moun wè. Maintenant on vient il vient problématique. Maintenant c'est le désenchantement, c'est le désenchantement. Mais que reste-t-il à l'homme quand Dieu n'est plus, quand Dieu n'est plus? Quand la raison a montré ses limites, quand l'inconscient envahit la conscience, quand l'inconscient envahit la conscience, quand la conscience n'est plus maître chez lui. Maintenant, posez-toi une question. La conscience n'est plus maître chez elle. Posez-toi une question. Que reste-t-il à l'homme?
de rester là l'homme. À qui porte l'autre bras le frapper? Parce que les questions restent les mêmes. Côté me sorti, qui côté me aller, qui sens existence moi, pour qui raison là, ça m'a fait là, si mouri côté me aller, après la mort qui côté me aller, question ça aurait été pertinent jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Problématique. Problématique. Que reste-t-il à l'homme? Et la réalité a frappé. Ma PC est entré dans le déni. Mais la réalité est frappante. La réalité est têtue. La réalité est têtue. C'est celle bagaille qui pas jamais, bon menti. La réalité pas jamais bon menti. Les présents de vous. Vous savez, parmi les trois modalités philosophiques que tout le monde connaît, possibilité, la possibilité, réalité et nécessité, bien entendu, l'a posé la problématique de la liberté. Même Jean-Paul Sartre posait la problématique, Hegel soulevait la problématique de la liberté. Il faut comprendre qu'à ce niveau, même Heidegger a essayé de poser. Mais comment capable libre pendant poser l'être? Parce que l'être, c'est l'essence. Sous guettant être, c'est qu'on guettant déterminé. Car c'est ça que Jean-Paul Sartre dit, que l'essence de l'homme, c'est le fait de n'avoir pas d'essence. C'est ça l'essence où? Et ça, Jean-Paul Sartre dit, la nature de l'homme, c'est de ne pas avoir de nature. C'est la nature de l'homme. Maintenant, sous une nature ou une essence, ou déterminé, et sous déterminé ou pas libre, c'est la problématique de la liberté soulevée dans l'existentialisme sartrien. C'est ça la problématique. C'est-à-dire que il faut la seule condition pour poser tête comme libre, c'est l'existence, c'est la réalité. La réalité est devenue le fondement même de la liberté, pas la nécessité. Parce que si on est, si on dit la nécessité comme mode, parce que t'aimes tout bien, de vous poser tête comme étant, comme être, automatiquement, faut être sa grand mode d'être, faut grand mode d'être. Et sous grand mode d'être, c'est qu'on déterminé. Et sous déterminé, automatiquement, on n'est pas capable de liberté, parce qu'on déterminé. Même donner sans sous déterminé. Ça, qui ça, Jean-Paul Sartre veut dire? L'existentialisme de ça. C'est plus gros cause de Kagan, oui. Parce que il y a des gens qui sous-estiment la pensée de ça, la philosophie de ça. La philosophie de ça, c'est gros cause. En réalité, les messieurs écrit la nausée. Et regardez bien, les messieurs disent l'autre, l'enfer, c'est l'autre. Il y a des gens qui te mal comprennent le concept. Ça te veut dire. Ça te veut dire. En réalité, ça te veut souligner. Tout le monde sont conscients, chaque grain de monde sont conscients. Chaque monde sont conscients, son monde pour eux-mêmes. Mais du moment qu'on représente dans l'autre monde, le regard de l'autre, c'est l'enfer. L'autre monde a regardé où? Automatiquement, pas conscience encore, non? Pour lui. Pour le monde, pas conscience. Ou vient tout nos objets. Mais conscience, moun, non? Lui, c'est problématique. Maintenant, vient tout un élément de subjectivité. De la conscience de l'autre. À ce niveau-là, l'autre la gardé ou, li pa wè ou, li pa posé ou comme conscience, li posé ou comme représentation. C'est là le problème nan yé. C'est-à-dire, li gardé ou à travers sa propre conscience, li wè ou à travers conscience parle, et l'el gardé ou à travers conscience parle, li posé ou, li wè comme un élément de sa conscience, automatiquement, li objectivé ou. Et si l'objectivé ou, elle met en dimension de représentation. Maintenant, c'est là le problème où commencer. C'est là le problème où. C'est ça, Jean-Paul Sartre. C'est ça, Paul Sartre dit comme ça. Et l'enfer, c'est l'autre. Parce qu'en réalité, tu es libre. C'est la condition humaine. Où tu es libre en conscience. Jusqu'à ce que l'autre paraisse. Jusqu'à ce que l'autre vienne. Mais le problème qui est, c'est qu'on ne peut pas nier l'autre conscience. C'est le rapport des consciences. C'est le rapport des consciences. C'est là le problème, non? Mais, côté problème posé pour Sartre dans l'existentialisme, c'est que Sartre a omis de soulever la problématique de la conscience universelle. Maintenant, si nous sommes conscience, l'autre, c'est une conscience,
chaque être humain son conscience, les problématiques, il est important pour poser la problématique de la conscience universelle pour éviter les dérives, pour éviter les dérives totalitaires. Et c'est ça, ça ne parle pas posé comme problématique qui fait que Albert Camus pour lui mettre en question la pensée, pour questionner la pensée, la pensée de Sartre. Pas oublier, Sartre, t'es qu'on a battu bravo. Sartre, malgré Sartre, écoutez, Sartre qu'on a condamné le nazisme, et Sartre qu'on a condamné le nazisme pendant ce temps, Sartre t'a applaudi le communisme. Alors Camus pour l'interroger, pour l'interpeller, Sartre. Et moi, je dis, je ne comprends pas. C'est quoi cette bêtise? Vous comprenez? Camus, je dis, mais Camus, contemporain de ça, je dis, mais qui bêtise ça? Ou a questionné le nazisme par rapport avec le crime naziste au fait? Ou a bagaille? Et puis pendant ce temps, on a blavo pour le communiste qui fait autant de crimes totalitaires, qui fait autant de crimes que le nazisme. Maintenant, on a derrière justifié le communisme russe. Vous comprenez? Parce que vous-même, vous êtes autant de socialistes pendant ce temps. Pendant ce temps, vous fermez jour, ça ferme gel sous crime abominable. Et sous crime abominable, la communauté te commet. Et puis qu'on y a la questionner, la interroger le nazisme dans ses dérives totalitaires. Mais écoutez, vous ne pouvez pas faire ça. Et puis c'est là, ça Camus va questionner monsieur. Pour une belle bataille qui va le faire. Ça, c'était le monde. C'est intéressant. Vous comprenez? Et ceci. Ou pas qu'à parler, ça pas qu'à poser question conscience, comme pour ne pas déterre pas les questions de liberté. Et puis pendant ce temps, la question de le totalitarisme allemand, et puis il n'y a pas même moyen le totalitarisme communiste. De vous parler de totalitarisme, absence de liberté, c'est la négation de la liberté. Tout totalitarisme, toute forme de totalitarisme commence définitivement avec la négation de la liberté. Individuelle, c'est clair, pas que mon tirano. C'est l'absence de liberté, c'est la négation de la liberté. Maintenant, on n'a pas qu'à questionner le régime naziste dans des dérives totalitaires. Et puis, qu'on y a ou à battre bravo de côté, ou à sympathiser avec le communiste. Ça veut dire. Il y a une problématique. Et c'est une raison qui peut pousser. Anna, oui. C'est une raison qui peut pousser Anna. Non. Faut comprendre que non bien. Parce que ça, ça en pile dans nous le plus souvent. Nous juste nous pas mettre penser auteur là penser auteur yo courant philosophique yo dans contexte yo nous pas faire ce qu'on appelle l'archéologie de la pensée automatiquement nous prend concept yo nous juste à parler de yo juste pour parler de yo mais nous pas même jamais saisir la pensée de l'auteur parce que toute pensée il n'y a pas de pensée neutre la pensée est toujours le produit d'un environnement. Alors, c'est environnement qui shape courant de pensée. Hein? C'est environnement qui shape qui shape pensée l'auteur là. Ou pas qu'à parler de Keynes, ou pas qu'à parler de la pensée du keynésianisme, ou pas qu'à traiter là le keynésianisme, ou pas tenir compte du contexte de l'entre-deux-guerres. Ou pas qu'à traiter la pensée de Keynes, sous pas traiter, sous pas considérer jeudi, le jeudi noir d'octobre de 1929. Sous faire ça ou pas bon, analysons à fossé. Il n'y a pas de pensée, pas de pensée. Yes, il faut contextualiser la pensée de l'auteur. Merci à Vince. Sous ma contextualiser la pensée de l'auteur, là, comment on va faire saisir Nios qui gagne la pensée de l'auteur là. Parce que il faut d'abord une pensée, leur pensée, leur parler de courant de pensée. Il faut qu'il y ait d'abord rupture et continuité. Rupture dans le sens linéaire de la pensée et dans le sens. Et chronologique du terme, c'est-à-dire que rupture archéologique, mais aussi continuité dans ce qu'on appelle la pensée, à travers dans dynamique, li, mouvance pensée à travers le temps, comment l'y échapper avec les ruptures chronologiques, les ruptures et paradigmatiques, les ruptures, c'est ça. Comment on va le faire? Maintenant, n'est-ce pas Jésus pas philosophe ou entre dans l'église, non? Et bien, n'est-ce pas on ne parle pas philosophie. Mais c'est l'ignorance. Qui Jésus pas par un rien Jésus fait entrer dans la Bible, pas philosophie, non? D'abord. Bon,
plus gros travail que Jésus fait, c'est travail philosophique. Ou pas qu'à parler de, ou pas qu'à dire chrétien pour pas comprendre dynamique philosophique qui traverse qui dans la Bible, non? Ou pas qu'à dire chrétien pour pas comprendre dynamique psychanalytique qui gagne dans la Bible, non? Bon, m'bat pour exemple avant nous. M'bat pour exemple avant nous. Pour Dieu, pour Moïse fait expérience mystique. Pour Moïse fait expérience mystique. Il faut tomber dans Christ d'abord. Ah oui? Pour Abraham fait expérience mystique à Dieu. Il faut tomber dans Christ d'abord. Ou pas tomber dans Christ et pour besoin faire expérience mystique. Faut tomber dans la crise d'abord pour faire expérience mystique. Ou pas qu'à faire expérience mystique éterne sans que ou pas tomber dans la crise. Faut tomber dans la crise. Faut qu'on crise morale qui traverse. Faut tomber dans le questionnement. Parce que c'est crise non existentialiste, existentielle là. C'est crise ça qui va le permettre ou entrer à tomber recevoir une visite. Ah oui? Ah oui, ok. Chaque travail, chaque visite, Dieu baille dans l'Ancien Testament. Ou pas loin toute visite, chaque visite, Dieu baille. C'est nos périodes de crise. Yo. Dieu visite Abraham, nos périodes de crise. Dieu visite Moïse, nos périodes de crise. Moïse lui-même, là. Il n'y a pas même qui est lié, non? Il n'y a pas de visite. Moïse n'y a pas même qui est lié. Eh oui, Moïse dit, qui est moi? Moïse dit, qui est moi? Il est pour mal de vos femmes. Et crise existentielle. Non, non, sombre dans la dépression, la vie finie. C'est un moment ça, oui. Puis belle expérience mystique ou fait. Pour rebattre, pour recharger batterie ou. Et même Magalak qui rive Jacob. Jacob bay menti. Ok? Jacob bay menti. Il tombe dans une crise morale. Automatiquement, frère, levé dans le monde pour le tuer. Quand il tombe dans le courant. Et crise. Crise questionnement. Quand il tombe dans la crise questionnement, il tombe dans le. Il est obligé. Exit, monsieur, son visite. Il mourit. Jacob mourit. La mort, ça n'a pas parlé. Les gens disent que si on veut le suivre, on ne pas prendre quoi. C'est la mort, ça a voulu penser. Je pense que c'est son quoi pour ça. Quoi, ça, son quoi existentiel. C'est mourir, de mourir, à vous-même. Abraham, pour Abraham, je me dis. C'est la mort, oui, Abraham, mourir. Ouais, mon Dieu dit Abraham, quittez terre, quittez tes papa, quittez ta famille, quittez. C'est mourir, dit Abraham, mourir à toutes sortes de gens, toutes sortes de connais. Et de mourir, papi et sur yo, mourir. C'est la mort. Mourir à vous-même. Elle a mort de soi. Nègla chita la kali, l'a bien passé, l'a bien mangé, l'a bien boué, li remet patril, li bagay ceci, et puis mon Dieu dit, monsieur, quittez-vous. Elle a mort, oui, mon Dieu, mandez-vous. C'est ce qu'on appelle la rupture. C'est ça, ma explique nous, dans nos bagages, comme une philosophie. Ek, sorti. Premier bagage, il dit Abraham, sorti de ce qu'on est. Sorti de la zone de confort là. Sorti. Coupez fâché avec zone de confort là. Et la problème là. Pour entrer dans le cheminement mystique et spirituel ça avec Dieu, faut sortir de ce qu'on est. Quand on est à l'aise là, sortez habitué avec là, sortez feel good about it. Faut dégager pour sortir la donne. Faut renoncer avec elle pour accepter entrer dans l'inconnu. Parce que Dieu, c'est l'inconnu. Il faut accepter. Mourir au connu pour entrer dans l'inconnu, pour aventurer dans l'inconnu. Bon, ou toi à l'aise dans le connu. Comment on va rentrer dans l'inconnu? Le connu ne m'intéresse guère. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est le connu que je dois connaître. C'est tout le cheminement philosophique et mystique. C'est la quête de soi, la construction. Voilà.
même mal à la fait, lui fait avec épuisé là, lui fait avec et comment il s'appelle là. Et même mal à la fait avec Jacob. Jacob obligé dans couille. Jacob quitte la caille. Jacob tombe dans couille. C'est quête philosophique et mystique là. Là il dans couille pour découvrir tête. Il cherche là. Monsieur pas voulait mourir. Jacob était rebelle. Jacob était rebelle, Jacob pas voulait mourir. Le mois là quand Jacob pas voulait mourir, mais Jacob a un désir de mourir là quand lui, mais il pas voulait mourir. Après le bataille ange là. Jacob ben derrière on va pour le kibé. Jacob a battu pour le kibé bon bagage. Jacob couché, lui ouais, il tombe non bagage parce que c'est l'homme mourir oui pour visiter Dieu. Dieu a visité. Souké mes bagages toujours comment on va faire une visite bon Dieu. Comment on va faire une visite, mon Dieu? Comment on va faire une lumière? Jacob tellement paix pour le sortir dans un homme. Lui obligé de quitter mon Dieu pour le bagarre. Tombe, quitter mon Dieu pour le bagarre. Et puis il dit, bon, écoutez. Puisque le bagarre dit, c'est là, moi, mon Dieu, la vie. Mon Dieu, changer nos missions. Mon Dieu, tirer missions. Et puis il la vie. Bon Dieu tire Jacob d'abord. Et puis, il est ville. Il dit Jacob, ou bataille avec Dieu. La mort. Il dit bataille avec Dieu. La mort. La mort qui bataille avec Dieu. Hein? Jacob parle. Jacob bataille avec Dieu. Quand il a ça, bon Dieu fait. Bon Dieu tire Jacob. Mystiquement. Il tire monsieur. Il passe monsieur non rituel. Il tire monsieur. Et puis il ressuscite monsieur. Et puis il dit maintenant Jacob. Où c'est Israël? Ah oui, dit bah monsieur, ce qu'on appelle une nouvelle naissance. Et gokose. Même pas qu'elle a fait Moïse. Même pas qu'elle a fait Moïse. Moïse tellement a effondré. Nan mouda mouton yo, nan mon nan. Moïse obligé de monter en l'air. Chaque jour Moïse monte en l'air. Moïse a cherché sens. Moïse pas qu'à comprendre comment ville a effondré comme ça. Moïse fini. N'a cherché sens. Et bien, pendant monsieur en l'air à chercher sens, il recevait la visite divine. Le ciel l'a visité. Et puis pendant l'arrivée, il dit, ah, puis on l'a. Et dans le moment, ça, quand il y a Moïse va mourir, quand il y a même Moïse, ça va tomber bataille à Bon Dieu obligé de mettre Moïse dans une situation pour le convaincre. Tellement Moïse fini, Moïse effondré. Moïse dit, ça me va chercher. Moïse dit, ça me va chercher. On m'a comme si c'est un bêtise, bon Dieu, passe. On m'a bêtise, bon Dieu, passe. C'est ça, oui. Après, il n'y a pas n'importe qui est chrétien. Il n'y a pas n'importe qui qui a comprendre le royaume des cieux. Le royaume des cieux n'est pas fait pour n'importe qui. Le monde invisible n'est pas fait pour n'importe qui. Et ça fait, ouais, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Faites attention. Bon Dieu, raisonnez avec monsieur. Bon Dieu, raisonnez à monsieur d'abord, avant de faire monsieur Dieu. Laissez convaincre monsieur. C'est la limite de la raison. La laisser convaincre monsieur. Mais avec moi, mais Dieu. Dieu philosophe à monsieur. Dieu raisonné à monsieur. Dieu a convaincre monsieur. Pour mon Dieu montrer monsieur, limite raison. Les mon Dieu gardent loin monsieur. Effondre que raison va qu'à sauver. Convaincre va qu'à sauver. La raison va qu'à sauver monsieur. Bon Dieu entre dans l'autre dynamique. Bon Dieu entre dans une dynamique démonstrative. Bon Dieu entre dans une dynamique démonstrative. Bon Dieu dit monsieur qu'on y a. Bon Dieu dit monsieur qu'on y a. Mettez bâton à terre. Bon Dieu fait tourner serpent. Bon Dieu a démontré monsieur. Parce que écoutez, bon Dieu raisonne avec monsieur pas comprendre. Bon Dieu a démontré. Qu'on y a bon Dieu montré monsieur, il dit la guerre bas à la terre. Bon Dieu montré miracle monsieur toujours pas comprendre. Bon Dieu dit procès pendant que monsieur style pas comprendre. Ouais question. C'est ça que je me dis, non, petit bagage. Et pas n'importe qui a quoi. Faites très attention. La foi, pas faite pour tout le monde. La foi, c'est un don. La foi, pas faite pour tout le monde. Pas qui peut nous cacher de la raison. Tout le monde nous cacher de la raison. C'est parce que vous avez courage pour affronter la foi. La foi, pas faite pour tout le monde, non. Hein? Là où mes mourir étaient comme ça, ou camp solide. Les lèvres m'ont effondré. Ou bien, ou solide. La foi pas faite pour tout le monde. Zami m'a dit ça comme après nous. La foi pas faite pour tout le monde. Où est-ce qui bataille, mon Dieu, fait? Pour le mener Moïse
dans le niveau pour faire confiance. Il passe la démonstration. Il raisonne à Moïse pour qu'on comprenne tout le monde. Limite de la raison. Limite de la démonstration. Quand il y a un qui est, ou quand il est Moïse, comment c'est venu comprendre? C'est là, il dit Moïse, ma foi Dieu. Il dit Moïse, ma foi Dieu pour Aaron. Ma foi Dieu pour Pharaon. Wow! Il levé Moïse au niveau métaphysique. Il levé Moïse au niveau spirituel. Ah oui, automatiquement, il dit la foi Dieu. Faites attention, et vous causez. C'est imagoné, ah oui. Il levé les noms Moïse. Il dit Moïse, ma foi Dieu. Et pourtant, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous mourrez comme des hommes quelconques. Somme 82. Moïse, pas qu'à affronter Pharaon. Pour qui raison? Parce que Pharaon, Moïse, il veut arriver dans le statut divin pour l'affronter Pharaon. Moïse, tout autant mental, tout autant c'est la raison, il n'y a pas qu'à affronter Pharaon. Faut arriver dans le statut divin. Faut Moïse accepter Imago de Il pour l'attaquer Pharaon. Il n'y a pas qu'à attaquer Pharaon avec la raison. Il n'y a pas qu'à attaquer Pharaon avec la démonstration. Il a besoin de divinité pour l'attaquer Pharaon. Ah oui, le bon Dieu dit Moïse, ma foi Dieu. Oh, il dit, ça dit là, il dit oui, ma foi Dieu. Somme 82. Et ça, Jésus va dire oui. Mais Jésus va dire, je suis le Fils de Dieu. Tout le monde a un problème. Tout le monde panique. C'est ça, fait ou même le chrétien, ou pas n'importe qui. C'est pas la raison qui a mené non. C'est pas le bon sens qui a mené non. C'est la foi en Dieu. Et à partir de cette foi, où vient Dieu, vous êtes de la race divine. Vous êtes de la race divine. Ou bien on sent divin qui a coulé dans venou. Vous avez le Christ en vous, l'imago dei. C'est ça toi qui a surmonté ou qui a déplacé les montagnes. Vous avez le Zoé en vous. C'est la vie qui est en vous. Et vous posez. La raison qui a déplacé les montagnes. La raison a ses limites. Et en fait, c'est fort pour guider côté pour arriver. C'est le langage de Dieu. C'est le langage de Dieu. Faut baigner dans la métaphysique divine. Pour entrer, pour comprendre dynamique, ça y est, on va venir l'adopter. Même bagarre arrive Moïse, même situation arrive Josué. Même situation arrive Josué. Josué arrive dans une situation. Josué arrive dans une situation. Côté la crise. Josué a traversé une crise. Peuple Israël a tombé dans l'idolâtrie. Josué est tombé dans une situation de crise. Josué, pour diable. Et Moïse mourit. Josué pour contre lui. Moïse mourit, Josué pour contre lui. Josué mourit, Moïse pour contre lui. Pour diable, il est jeune. Il a peine à prendre la relève en tant que leader. Premier test, monsieur Jouen. Père Israël a tombé dans l'idolâtrie. Père Israël a tombé dans l'idolâtrie. Monsieur prend un courri. Monsieur tombé dans la crise. Il va contre qui ça pour le faire. Monsieur va contre qui ça pour le faire. Il va contre si pour là. Moïse pas là. Moïse mourit. Monsieur va contre qui ça pour le faire. Monsieur va contre si pour le monter, si pour le descendre. Et puis monsieur Marie, c'est-il? Monsieur dit, écoutez, il réunit tous les anciens d'Israël, il réunit tout le peuple là. Il dit, écoutez, aujourd'hui, je vous l'ai dit, choisissez qui vous voulez servir. Si vous voulez servir Baal, servir Baal. Si vous voulez servir Mammon, servir Mammon. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Des situations arrivées, faut prendre position pour mon Dieu intervenir. Les tout le monde met à genoux, faux proposition. Faux proposition. Tout le monde tourne vers l'idolâtrie. Le peuple Israël tourne vers l'idolâtrie. Tout le monde l'a gagné dans l'idolâtrie. Moi, Josué, pas comme ça vous le fait. Josué obligé pour une décision. Josué obligé pour une décision. Josué dit, écoutez. Écoutez. Peuple Israël, écoutez. Il dit, je dis à ma parole avec nous. Nous avons un choix pour nous faire. Nous avons un choix pour nous faire. Choisissez qui vous voulez servir. Si vous voulez servir Baal, servir Baal. Ça veut dire si vous voulez. Lorsqu'on leader, faut toujours bailler peuple là, choix. Faut toujours bailler peuple, choix. C'est ça l'essence de la liberté. Faut toujours bailler choix. Avec Jésus, pas jamais envahi la vie, mon nom. Il quitte pour choisir. Jésus, pas force au servile.
Parce que Jésus respectait liberté moun. Jésus pas force le parce que essence ma godé ya, c'est la liberté. L'essence même de la liberté, c'est le libre arbitre. Il pas force au servile. Il pas force au vina lui-même. C'est ça qu'il faut qu'il premier le respect de la liberté humaine. Il pas force au vini. Ou tendez l'évangile là, ouvrez vini, vini. Deux bras l'ouvrir pour ou tendez tout, ou pas le vini. Ainsi soit-il. C'est pas ou pas responsable. Quelle situation y est, faut mettre tout le monde au pied du mur. Faut dire tout le monde choisi. Choisi. Parce que c'est choix oui, qui va déterminer le caractère. C'est l'autre comment c'est choisi, oui, lui va révéler le vrai caractère. Qui est souillé? C'est le choix. C'est là où on choisit, oui, ouais, vrai caractère, mon nom, vraie personnalité, mon nom. C'est cette liberté, hein. C'est notre choix fait, oui, qui va dire qui j'en dois mouiller. C'est notre choix fait, oui, décision à prendre, qui va dire qui mounouille. Qui compte au stein, qui valeur, ou kembe, qui fondement ou moral, ou. C'est là, elle l'autre. Elle gogoze. Faut choisir. Parce que souvent choisir, on a couru. Eh bien, je vous ai dit, peuple là, aujourd'hui, faut choisir. Lui met peuple là devant réalité, choisir. Il y a des situations où on y a avec une famille, où on a une famille ou a mené, où on a l'église ou a dirigé, où on a une société ou a mené, où on a un groupe ou a mené, où il y a un point, où a cette décadence morale, où a cette dépravation morale, où a cette dérive morale, où obligé par le peuple à choix. Faut mal le choix. Faut dire écoutez, choisis. Si on pas choisi, si on choisit aller à gauche ou même résignons ou mettre pour contre aller à droite. Même là on va tout le monde choisir aller à gauche ou même résignons mal senti ou aller à droite. Parce que normalement on choisit à ou pas comprendre choix. C'est à la fin on va comprendre côté font bon choix. Mais pour le moment eh bien, monsieur choisi, il dit, regardez bien, ça m'a dit là, je dis, écoutez bien, peuple Israël, je dis, on a obligé de choisir. Si nous voulons choisir Baal, choisir Baal. Si nous voulons choisir maman, elle servit maman, allez! Elle servit maman, allez! Mais moi-même, avec famille, c'est ça un homme, mais moi et ma maison. C'est plus gros mot que t'es cagé, moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison veut dire que, en quelque sorte, il est le chef de sa famille. C'est lui le chef foyer. Lui-même ma maison l'a choisi l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Et vous causez. Et monsieur va tomber dans la crise. Monsieur va contre ça pour le faire. Monsieur en rôle en bas. Il va contre les jeunes pour le diable. Et puis il y a une responsabilité sous dol pour le mener peuple à l'autre bord. Les jeunes, Josué jeune. Et pour le mener peuple là à destination, responsabilité à nous sous dol. Faut faire très attention, oui. Responsabilité à nous sous monsieur. Mais c'était un homme de Dieu. Il compte côté la prière. Il va raisonner. Il va réfléchir. Il va dans ruse. Il va dans mettre dame. Il va dans je cherche. Mais elle connaît ce qui est pour la piller. Il y a des comptes horribles, il y a des circonstances où il y a dans la vie, où son leader, ou pas non, pas l'empile, monsieur trouve une autre situation, lui pour contre lui. Hein? Les fils d'Anak, campaient devant monsieur, c'était des géants. Des géants, ils ont campé devant monsieur. Peuple a tremblé, peuple a tremblé, peuple a vint dire, les fils d'Anak, ils ont campé devant nous, mais vous c'est géant, mais vous c'est négro. Des miracles qui campent devant vous. Des situations, yeah. Des gros miracles qui campent devant vous, camarades. C'est changeant pour changer ça, bon Dieu, de faire pour vous. Pour pas sombrer dans la peur. C'est changeant pour changer ça. Ça, Dieu te fait pour vous. Qui vous qui te passe avant vous. Ou obligé d'entrer dans une dynamique. Ou à compter les bienfaits de Dieu. Ou à compter les bienfaits de Dieu. Pour pas sombrer dans le désespoir. Pour pas sombrer dans l'angoisse. Ou changer côté mon Dieu de prendre. L'angat Mirail a devant. Ou abgat Goliath sa devant. Ou abgat Mirail Jericho devant. Ou abgat les fils d'Anak devant. Ou pas qu'à faire bac.
ou pas qu'à tourner en Égypte, ou pas qu'à reprendre des ça encore, ou pas qu'à retourner fond de la mer encore, ou pas qu'à tomber dans l'eau de mara encore, ou pas capable. C'est avancé. Mila la tête quoi? C'est avancé. C'est avancé. C'est avancé. Avec un peu de monde qui va comprendre la dynamique mystique, ça. L'autre chrétien, ou confronté avec des difficultés de quelque nature que ce soit. La première chose que chrétien fait, il ne pas murmurer. Le chrétien ne murmure pas. Jamais. Vrai chrétien va murmurer. Face à des difficultés, le chrétien va murmurer. Le chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Vrai chrétien, elle fait face à une situation, lui chanter. Tout ça qui saute dans la bouche, lui, la chante un petit chant. Un petit chant de louange. C'est là ça, mon père, aux alentours, pour le comprendre. What the fuck is going on? Qui ça, monsieur, a fait là? Non. C'est là. Parce que les gens qui ne comprennent pas ça, ça veut dire, leur chanter. Un homme de Dieu, leur la caillou, faut chanter. L'homme de Dieu, dans la maison, lui doit chanter. Ou doit chanter, ou doit louer l'éternel dans le caillou. Maison doit une maison de louange. Maison doit une maison de prière. La caillou supposé ses côtés. Ou exalter le nom de Dieu. Vous comprenez, ça m'a dit nous là, les bagages qui dépassent l'entendement de l'homme rationnel. L'homme rationnel n'a pas saisi la profondeur de ça m'a dit. Il est possible pour l'homme rationnel cerner ça m'a dit. Dynamique, ça ne va pas comprendre. Dynamique, ça ne va pas comprendre. Quelle est la situation où ce chef qui est là, madame après tant nous, petit qui a tourné le regard sur vous, ou même qui soit fait, ou tourné le regard vers Dieu. Il faut apprendre à faire ça, il faut apprendre à faire pèlerinage mystique. Laissez papa où il est, mettre foyer là. Lorsque garçon l'église là, lorsque pasteur l'église là, lorsque vous qui dirigez le pays là, faut apprendre à faire pèlerinage mystique, faut apprendre à monter sous la montagne, faut apprendre à déplacer pour contour, faut apprendre à le concile de Dieu. Il y aurait les sacs concile de Dieu, ou quitter tout le monde, ou entrer dans le chameau. C'est ça l'homme de Dieu. Ou entrer dans le chameau, fermer la porte chameau, ou à genoux. Ou chanter, ou murmurer, ou parler. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce affaire. Parce que ce affaire là, c'est un bagage qui dépasse l'entendement humain. Ce affaire là, c'est un bagage qui dépasse la raison. Ce affaire là, c'est un bagage qui dépasse le bon sens. Comment vous voulez difficulté faire face à vous et puis chanter ou chanter? Ou pas un bon bagage qui va marcher? Est-ce que nous pas un bon bagage qui va normal? Difficulté ou confronter à un problème et puis premier bagage qu'on fait, c'est chanter ou chanter. Et chanter, on chante vite dans le bouchou, et puis c'est lui qui va chanter. Gagne un bagage qui va normal. La pensée, pas qu'à saisir ça. Ne pas qu'à comprendre l'événement ça. Parce que, difficulté qui vient devant là, circonstance qu'on fait face à elle là, lui vient pour le mettre à genoux. Lui vient pour le fuck-up, pour le craser moral, pour le réduire au silence, pour le réduire la vie, pour le forcer tout pas monde, pour le forcer tout pas exister. Mais face à un problème ça, ou pas murmurer. Le chrétien pas murmurer, le chrétien pas plaigner, le chrétien chante, le chrétien loue, le chrétien exalte Dieu. C'est ça vous fait. Vous chantez. Vous exaltez le nom de Dieu. Vous glorifiez le nom de Dieu. Mais, à ce niveau-là, tout travail mystique va faire. Comment raison va faire Sénil? Tout dynamique mystique où y est. Comment raison professionnelle? C'est mystérieux. Comment la raison, le bon sens, la rationalité va faire comme ça? Comment va faire comme ça? Comment va faire comme ça? Qui compte elle va passer pour comprendre dynamique ça? Elle va pas comprendre ni. Lui échapper à bon sens. Lui échapper à bon sens. Comment va faire comme ça? Lui échapper à bon sens. Il t'a remé, pour venir chita, ou ap raisonner sous problème non, ou ap réfléchir sous problème non, ou ap analyser problème non, qui bon? Avec elle. Ou ap faire un compte qui bon? D'après, 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 d'après,
Elle garde pour la raison. La raison analysée. La raison. Gardez pour la situation. Gardez pour la situation aujourd'hui. Non, j'en monde là. Donc la raison à analyser. La raison à analyser, la mort à augmenter. Eh bien, le chrétien campé. Ah! Le chrétien est toujours campé. Bonjour, campé, le chrétien. Bonjour, Louis. Et normal. Ou pas, je ne visite divine. Tout autant par nos périodes de crise. T'as pas si que nous bien. Josué, dans la bataille là, vive nos situations campées pour contre nous. Où est leur leader? Où est leur leader? Leur leader va gagner, je vais te la donner. Monsieur campé pour contre lui. Monsieur trouvé dans la situation, dans la bataille là. Monsieur capitaine de la bataille. Et puis monsieur aux aguets. Monsieur aux aguets parce que je ne sais pas qui côté adversaire va l'attaquer. Je ne sais pas dans quelle direction adversaire va l'attaquer. Il aux aguets. Et puis, il est anxieux. C'est ça. Il est anxieux parce que les aguets. Les foi envahit. La peur envahit, monsieur. Les foi envahit et la peur envahit Josué. Il n'est pas dans quelle direction ennemi a sorti. Il aux aguets. Et puis, pendant le campé. Prends le campé. Il y a un qui campé avec une épée. Bien filé. Il y a un qui campé avec une épée. Bien filé. Et puis, monsieur, puisque le zague. Et puis, monsieur, vient regarder bas. Mais, monsieur, bon. Mais l'esprit de Dieu, là, quand monsieur fait, monsieur comprend. Je ne sais pas être sous l'IA là. L'Ipaka. L'Ipaka. Courir monter sous l'aigle là. Et bien, dit monsieur. Il dit monsieur. Il dit, monsieur, dis-moi, dans qui koye? Qui est souvé? Identifiant. Dans qui koye? Gogoze. Pour qui raison identifié? Situation paraît entendre. Des fois, situation paraît entendre confus. Pour. Faut clair. Qui est-ce qui en mou? Qui est-ce qui pas en mou? Des situations yé. C'est confusion, diable a créé des mots. Faut clair. Pour qu'on qui est-ce qui est avant, qui est-ce qui n'est pas avant. Ou pas qu'à baisser l'illusion. Parce que le malin est usé. Faut clair. Qui est-ce qui est avant, qui est-ce qui n'est pas avant. Faut qu'on qui soldat gagné. Faut qu'on qui est-ce qui a campé avant. Ou pas qu'à un leader pour qu'on fuit. Pour pas qu'on qui est avant. Pour pas qu'on qui est-ce qui a campé des devrés. Faut clair. Faut clair qui est-ce qui est avant. De quoi leur tirer coup d'épée pour pas tirer coup d'épée en vain. De quoi leur frapper pour pas frapper en vain. Et bien, dis nous petit bagaille. Des opérations mystiques pour pas le faire. Ah, m'a dit nous petit bagaille. Il fut un temps. Ah, j'ai dit il fut un temps. Les nègres étaient chrétiens. Les nègres étaient m'changer les petits mouns. M'petit moun piti. Maman, aux alentours des années 80, 85, 86, j'étais encore un enfant. Et moi, l'église, je voyais moi, je voyais zombies sous mon nom dans l'église. Je changeais ça, tout petit, au go naïve. Tout petit, m'l'école, j'avais à peu près 6 ans, 7 ans. T'es une jeune fille, on est dans l'église, non? Je voyais un zombie sous lui. Vous savez, pendant que je voyais zombies sous lui, dans l'église, non? Il y avait des anciens, des hommes consacrés à Dieu. Eh ben, il n'y a pas de bataille, il y a une bataille. Je ne dis pas pour poste. Il n'y a pas de bataille. Il y a des anciens qui ont chiré, qui ont couru pour zombies. Non, c'était des hommes, de vrais hommes de Dieu. Et ça, c'était l'évangile, oui. Et ben, il y a des crabes qui ont fait là, non. Il y a des gens qui ont fait ma aux États-Unis, là. Il n'y a pas de chasser un pinaise, là, non. Il y a des hommes de Dieu. Monsieur, j'ai. Petit dame, non, zombie envahil. Zombie envahil. Eh bien, les hommes de Dieu, les anciens de l'église,
réunis. Yo choisi des anciens pour sacrés. Yo ramené manger. Yo mettez le mi-temps. Grand monde, yo mettez le mi-temps. Matin, midi, soir, pendant 7 jours, il y a prié à Dieu. Pendant 7 jours, listen carefully, ça m'a dit nous là. Listen carefully. C'est une opération qu'a fait. Des hommes de Dieu a râlé ciel là des hommes. Il y a d'autres, non? Il y a râlé ciel là des hommes. Et puis je me souviens, c'est une série d'anciens qui étaient là au 7e jour, mais qui ont obligé à nous faire un défi. Ça, l'autre bagaille, pas bagaille. Et bagaille pour Timoun, vini là, nous avons une opération qu'a fait. Bagaille Timoun qui là, ce sont des hommes consacrés. Monsieur Gélène, il a choisi Nego. Il a dit des mots, nous pas clair. Pas vini comme là. Parce que bataille, ça nous va le mener là. Côté, nous va le fouiller, mais nous, pour nous prendre dame ça là. Bataille ça, sous pas clair, pas comme là. Vous mettez ancien, des mots pas catholiques, pas comme là. Aïe, bataille là-bas, on va pas dans le jeu. Parce que, esprit démoniaque qui était sous manger, il était rusé. Il était très rusé. Il était très rusé. Mais je mettais mon zéro au cercle. J'étais enfant. Si mon m'a assisté à un magasin, j'étais un enfant. Je mettais mon cercle. Mais je prier et chanter. Je prier et manger. Je descends ciel là. Ah oui, il y a des essentiels là. Pas de bagaille, bataille pour pose, vicié, fête, tim, derrière l'argent. Non, mais il y a des essentiels là. À la dernière minute, au dernier grand côté, au dernier grand côté, démon sorti pour le bagaille, bah, problème. Et puis, go ancien, j'ai ça qu'on je dis. Et puis, ancien apparaît. Ancien campé le bail éternel en défi. Et ça te chrétien, donné. Il prend la parole de Dieu. Il dit ou dit ça. Il sort dit. Il campait devant des mots. Il dit, bon Dieu, c'est sort dit. Il vous fait parole là, il dit, mais sort dit. Il fout bon Dieu en défi. Ah, un vrai chrétien. Et puis il dit, le pape prend ça. Il dit, le pape prend ça. 7e jour, il dit, le pape prend ça. Il va m'accepter. Et homme de Dieu. Ah oui! Pour qui vous avez les têtes aux hommes de Dieu? Ce n'est pas homme de Dieu. Vous ne connaissez pas homme de Dieu. Sous ces hommes de Dieu, sous les dieux, Dieu vini. Ou pas à tous ces hommes de Dieu, les dieux, Dieu va vini. Ou sous bluff. Il fout de Dieu, il dit, ça va accepter. Ça va accepter. Ah! Zami, dossier classé. Ah, t'es ouais. Dis fait comment se prend sous dame dans l'esprit, ben dit le pape carré ton corps, oh oui, les rivets pour l'aller, ah, tête chaud. Pas de ma parole là, là, qu'a chanté lui, esprit cherché ou là, a y'a caca comme ça. Vous savez le discours mythique, ou attendez au dos la Bible, c'est mythe lié. M'a obligé de dispenser un cours de mythologie, ni parler de récits, les grands récits Bible, parmi lesquels la Bible. Mais vous savez, nous capable de parler à partir de la pensée intuitive. C'est normal pour penser rationnel, pas qu'à atteindre le niveau ça. Parce que, objet lui-même est différent. Objet à différent. Voyez. Et nous vivons le temps qu'on y a là. Nous vivons le moment. Côté gain, pas gain repère. Même dans les sociétés les plus avancées, les plus développées, pas gain repère. Gain absence totale de repère. Nous avons besoin de sens. Nous avons tellement besoin de sens, en quête de sens. Nous plongeons dans la série, dans Netflix, dans Facebook, dans Internet, dans TikTok, dans WhatsApp.
Ils ont une quête de sens. La fonction, c'est une façon pour y aussi à échapper à l'existence. Existence à vivre là. Ils ont besoin d'un bagage qui vous permet l'esprit à apaiser. Et c'est la réalité au quotidien. Mais le Mali, il compte comment pour le banou occupation. Il compte comment pour le banou occupation pour l'occuper l'esprit nous. Comprenez? Ils ont testé nous. Comprenez? Nous confiner. Ils ont fermé. Ils ont réduit mobilité. Ils ont réduit, ils ont limité accès. Ou n'avez pas qu'à entrer dans le restaurant. Ou pas qu'à entrer à l'école. Ou pas qu'à entrer tel côté. Ou pas qu'à entrer tel bagaille. Sous passer ci, sous passer là. Sous pas gagner vaccin. Maintenant, on est devenu des cobayes. Des rats de laboratoire. Quel que soit côté. Maintenant, tout le monde a battu et échappé à Monza. Parce que tout côté est passé au limité. Tout côté est passé pied au marais. Moun n'ap travay pou on pay check pa pay check. Li fè vil li tout nou esclave moderne. Réflexion de ce travail payé bill. Li pa gen vie. Yo volé tan li. Yo volé existence li. Système n'ap mette pied sou koul. Li bezwen sens. Eh bien, la veche cherche ki côté pou jwenn sens. Li nan hip hop, li nan star, li nan e love, hip hop, love star. La cherche sens. La chercher modèle, la chercher repère, la chercher qui est pour identifier la velle, la chercher qui moun li besoin pour le voici, qui la chercher sens à l'existence li. Mais c'est travail des voix. Il y a une guerre, il y a une guerre cosmique actuellement qui a cap livré des moun qui parlent au compte de ça. Le monde entier est sous la domination du malin. Le monde entier est sous la domination du malin. De yon guerre cosmique qu'a fait. Mais ou même ou pas conscient de lui. Ou pas conscient de guerre ça. Ou pas conscient de lui. Maintenant le pire. Le pire. Même discrédit. Satan cherchait la guerre dans l'église. Satan utilisait toute ruse. Pour laguer discrédit sur l'église de Dieu, du Christ. Et les plus faibles, ils ont commencé à succomber. Les plus faibles commençaient à succomber. Hein? Les plus faibles commençaient à succomber. Parce que nos paroles, nous oublions, nous-mêmes qui chrétiens, les nouvelles églises. Hein? Les nouvelles églises. Comment c'est absurde discrédit dans le monde là? Dis un bagage oublié. Nos paroles, Jésus t'a dit. Jésus t'a dit, disciple, faites attention. Si nous voyons Abraham, connaît Abraham nous tout. Parce que disciple, en quelque sorte, te représente l'église en miniature. Disciple, te représente l'église en miniature. Les paroles de Jésus adressées aux disciples, il était adressé à l'église. À travers le temps qu'elle t'a adressé. Parce que les paroles du Christ sont éternelles. Il dit, disciple, faites attention. Le monde, si le monde raïm, il y aura tout. Il a fait tout le bagage pour discréditer. Ou il y a persécuté. Mais il dit, on bagage, t'as changé. Il dit, on bagage, t'as changé. Il dit, prenez courage. Prenez courage. Car j'ai vaincu le monde. Et vous causez. Prenez courage. Car j'ai vaincu le monde. Lorsque Jésus s'adressait aux disciples, Jésus pas adressé la religion. Jésus pas adressé avec dénomination. Jésus pas adressé à Baptiste. Jésus pas adressé la Pentecôtiste. Jésus pas adressé la catholique. Jésus pas adressé à Témoin de Jéhovah. Jésus pas adressé à pièce dénomination. Jésus s'adressait à ses enfants. Jésus adressait à ses brebis. Jésus t'est adressé à mon qui croit dans lui. Jésus t'est adressé à petit lit. Jésus adressé avec ça qui pour lui. Jésus va l'adresser à religion.
Jésus va l'adresser à dénomination. Jésus va l'adresser à baptiste. Jésus va l'adresser à pentecôtiste. Jésus va l'adresser à catholique. Jésus va l'adresser à adventiste. Jésus t'est adressé à son église. L'église Jésus, pas de maître. L'église Jésus, pas de titre. L'église Jésus, pas de tisse. Il y a seul monde qui baille ville pour l'église, il est le Jésus de Nazareth. Seul monde qui baille ville pour l'église, il est le Jésus de Nazareth. Maintenant, pas baisser tête nos illusions. Pas baisser tête nos illusions. Les nouvelles, le monde bouleversé. L'église devrait être le dernier rempart. L'église t'a supposé le refuge. C'est là où Chita, où elle tendait la parole de Dieu pour raffermir Namou en Christ, pour raffermir foi. C'est là où soit le souci. L'église, c'est l'espace côté où elle souci, où elle raffermit l'amour, où elle réunit avec les frères et les sœurs en Jésus-Christ. Parce que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus dans mi-temps. Jésus va les trôner. Qui ça ou y est? De pour réunir dans nous, lui dans mi-temps. Jésus n'est pas un menteur. Jésus n'est pas inventé. Depuis deux ou trois, réunis dans nous, l'inhabitant. Jésus n'a givé d'aime sous ses baptistes. Jésus n'a givé d'aime sous ses pentecôtistes. Jésus n'a givé d'aime sous ses adventistes. Jésus n'a givé d'aime sous ses catholiques. Jésus n'a givé d'aime. Jésus pas de compétition. Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix et ils me suivent. Ces seuls anges. C'est celle Jean Jésus qui va le trier. Pas de monde qui a trié pour Jésus. C'est celle Jean le jour, lorsque le jour de la moisson arrive, c'est celle Jean Jésus qui va le trier pour green dans toute dénomination. C'est celle Jésus qui connaît qui ça qui bon green. Et c'est ça que lui va la gueule nommer les hommes. Lui va la gueule nommer X. Li va la gueule, non mais pasteur. Li va la gueule, non mais conférence. Li va la gueule, non mais les papes. Li va la gueule, non mais pasteur baptiste. Ni le témoin de Jéhovah. C'est ça que fait au dernier jour. C'est Jésus seul avec ses anges qui va le trier. Qui va identifier les bons grains. C'est Jésus. Assurez-vous seulement de Christ. La seule chose où doit mettre choupeur gagner dans la roue, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celle-là même qui va raffoler. Mais ma petite bagaille, quelle que soit la dénomination ou identifier tes trois avec là, ou qu'a déçu, quelle que soit la dénomination contre tes trois là-dedans, ou qu'a déçu, yes, ou qu'a déçu. Que des pratiques. Il y a des bagages qui ne sont pas loin de la dénomination, ça. Qui a poussé ou questionné foi. Mais où est-ce depuis c'est dans Christ ou ancré? Depuis c'est en bas de Christ ou caché? Depuis c'est Christ ou fait comme pilier? Depuis c'est Christ ou fait comme bouclier? Depuis c'est sous Christ ou fondé la foi? Depuis c'est sous Christ ou fondé ou pas déçu? Le monde a déçu. L'environnement a déçu. Mais le chrétien va pas déçu. Jamais. Jamais le vrai chrétien va pas déçu. Le vrai chrétien, c'est celle en Christ qui réjouit. Pas promener regard à gauche, pas promener regard à droite, pas promener regard derrière. Rester avec yeux fixés sur la croix. Pas une pièce de dénomination qui t'est mouru à la croix pour vous. Pas une pièce de dénomination sans te couler pour vous à la croix. Pas une pièce de dénomination qui t'est bail ville à la croix pour vous. Si ce n'est une seule personne. Yon seul monde qui t'est mouru. C'est pas institution qui t'est mouru pour vous. C'est pas institution sans te couler pour vous. C'est pas dénomination sans te couler pour vous. C'est Jésus de Nazareth sans te couler pour vous. C'est pas l'église, c'est pas religion sans te couler pour vous. Non. Jésus et Jésus seul. Jésus et Jésus seul. Vous êtes d'accord? Ou qui ne doit pas d'accord. Mais ma petite chose aujourd'hui. Si ma parlé de Jésus, c'est à ce midi. Si ma parlons de Jésus,
c'est parce que je suis l'esclave de la vérité. Je suis un esclave de la vérité. M'baka esclave dénomination. M'baka esclave religion. Je suis esclave de la vérité car Jésus est la vérité. Je suis esclave de la vérité. C'est peut-être ça. Ce sont deux voies que m'gaye pour m'dou la vérité. M'baka dou l'autre bagaille que la vérité. M'baka d'accord, m'baka pas d'accord. Mais c'est ça que m'baka dou. Et lui m'baka ou, m'baka bon sa m'bagay. M'baka bon sa m'bagay. M'baka bon sa m'bagay. M'baka bon sa m'bagay. Sous respect, ou vin la pou m'bon sa m'bagay m'baka ba ou. Parce que sou apetan nou tout, que m'bal parler de façon nice, de façon ceci, non. Je suis un pécheur comme vous. Nous sommes pécheurs qui bataillent pour ville comme vous-même. J'ai des questions que m'tare me poser aussi pour me jouer une réponse à vous. Je suis aussi en quête de connaissance. Même j'avoue, m'a cherché à gauche, à droite. Je m'interroge sur les choses. M'a interrogé, même je m'a interrogé. Mais cependant, je prends l'honneur ce midi pour me dire, quel que soit courant de pensée, doctrine, paradigme, où tu as identifié tes doigts, quel que soit ce que tu as identifié tes doigts, et même les où t'as le monde aux alentours effondré. Même là, où t'as senti que moral l'avait écrasé. Même là, t'as remarqué que pas d'exit encore. Même là, t'as comme si toute bagaille virait tête en bas. Je suis venu vous dire ce midi, il y a encore de l'espoir. Et m'a dit ça avec tout le monde. Il y a de l'espoir. Il y a certains qui disent que l'espoir fait vivre, mais qui vit d'espoir mourra de faim. Mais moi aujourd'hui, je veux réitérer pour vous. Il y a de l'espoir. Sous besoin de l'espoir, pas découragé. D'espoir en Christ. En Christ Jésus. Jésus a bas espoir. Jésus c'est l'espérance même. L'espérance de la gloire. L'évangile de salut. L'évangile qui apporte la paix. À ce moment, on va parler avant là. Pourquoi faire expérience Christ? Ou à philosopher toujours. Ou à questionner toujours. Ou à interroger pour vous. Je vous invite. M'invite-toi. À ce midi. Ou pas qu'on est combien de temps on est. Ou pas qu'on est si on après demain. You don't know. Ou pas qu'on est demain, pas you don't know. Toute connaissance ou tant d'organes, tout savoir scientifique ou tant d'organes, tout diplôme ou tant d'organes, tout PhD ou tant d'organes, tout raisonnement ou tant d'affaires, ou pas qu'on est demain, qui ça demain réservé pour vous. You don't know. You don't know. Et le pire, ou pas qu'on qui côté, ou pas le passer l'éternité. Jodi a, ou qui doit avec, demain, qui doit pas avoir. Jodi a, moi ka avou demain ou qui doit pas même. Cependant nan moment ça l'important pour sceller alliance avec Christ, l'important pour faire un choix pour décider qui est ou voulez ba la vie, l'important à midi ça pour décider qui compte ou voulez passer l'éternité, l'important nan moment ça pour dire Christ, moi c'est un pécheur. Moi connais, moi pas bon. Moi connais, moi pas digne de vous même. Même vrai dans la vie. Moi voulais soumettre la vie à vous même. Moi voulais, c'est vous qui sentez l'existence moi. C'est vous qui pour ma vie sens. C'est sous vous pour m'appuyer. C'est vous qui vous sent la vie. C'est ça pour dire Christ. Pas en pile cause vous le dit. Il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés et je vous donnerai du repos. Oui, Jésus dit ça. Il dit, viens joindre moi ma bon repos.
repos ça li pa baoul même genre le monde baille li mais la baoul avec toute nanmi la baoul parce que c'est lui repos à même invite ou pour ouvrir cœur quel que soit côtoyé ou gen droit attendre là ou l'hôpital ou gen droit attendre là ou préparer enterrement ou gen droit attendre là ou dans machine I don't know situation le moment mon patron ni côtoyé mais ma connai côto soit traversé mais pas connai qui soit fait m'pa dou al baptiser m'pa dou al plonger dans l'eau m'pa dou pour payer dîme m'pa dou pour payer offrande seule chose m'gay pour m'ba ou yo seul bagay m'a toujours dit yo assurez que ou pas mourir sans Christ c'est ça m'ka dou assurez jodi a là que ou pas mourir sans Christ. Le monde bouleversé. Le monde tête en bas. Y a compté cadavre. Papa Ket, mon a mouri chaque seconde, chaque minute. Assurez-vous que vous va mourir sans Christ. Assurez-vous que vous mourrez avec l'espérance de la vie éternelle. Assurez-vous que vous mourrez. Le mettons dans tombe ça. Le mettons dans tombe ça. Ou bien un lion, le lion de la tribu de Juda, les campés vont contre dans ton bois, la veille sur vous jusqu'à l'éternité. Assurez-vous, ou bien garantissez ça. Et c'est ça, mon cadeau. Ma cadeau, ok, vine by team, vine by offrande, bien beaucoup de Christians. Non. Et bien, ça, mon cadeau. Ma cadeau, c'est ça, mon cadeau. Assurez-vous que dernier grain souffre. L'après mettre dernier grain sous ça. Ou remettre avec l'espérance de la vie éternelle. L'espérance de la vie éternelle. L'apôtre Paul disait, l'apôtre Paul écrit à Timothée, il dit sinon Timothée, il dit Timothée, écoutez, monsieur est en prison, monsieur l'Esprit de Dieu révélé Paul, il dit Paul, l'heure arrivée ou pas le mourir. Résignez-vous avec tes grands mounsous. Alors, l'apôtre Paul, conscient de cette réalité, de cette révélation, il doit affronter la mort. Eh bien, il a les plumes, il a écrit au jeune Timothée. Il dit, Timothée, écoutez mon enfant, je sers déjà de libation. Je sers déjà de libation. Il avait dit, situation sous terre ça fini. Moi signé vim sous terre ça est fini. Mais dit Timothée, il te dit assurance, dit Timothée. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Désormais, ma couronne de justice m'est réservée. Faites attention. Vous devez mettre tête en position. Pour que même assurance, pour que même courage avec Paul, pour dire désormais, ma couronne de justice m'est réservée. C'est pour capable dire, j'ai combattu le combat de la foi, j'ai achevé ma course, désormais. Ça, c'est le cri de la foi et de l'espérance. Vrai chrétien, chrétien, pas bataille pour dénomination. Si vous seul bagaille pour réjouir dans la vie, réjouir de la croix. Il n'y a qu'une seule chose pour être capable de réjouir dans la vie que la croix. La croix et la croix seule. C'est la croix seulement. Car il n'y a pas d'autre nom par lequel on peut être sauvé. Si ce n'est que le nom de Jésus. Et pour qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Dieu. Mes chers amis, nous venons un moment où nous finissons. C'est ton plaisir pour me dire avec nous. Comme d'habitude, nous connaissons mais nous en pile. Nous connaissons l'amour pour nous. Les dépasser en l'endement. Je dis nous, pas décourager. Prenez courage. Vous mettez pour tomber, prenez courage. Toujours qu'un sourire aux lèvres. Allez en paix. Passez un bon après-midi en Jésus.
Restez au pied de la croix, accroché à la croix. Et qu'ainsi, lorsque Jésus reviendra dans sa gloire, nous tous ensemble, nous capables de monter à la rencontre et nous capables de jouer les béatitudes sans fin. Passez une très bonne journée. À très bientôt. Ciao.